Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, bonjour, bon matin, bon réveil. Quel plaisir, quelle joie, quelle grâce de nous retrouver encore ce matin après une nuit de repos pour être dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous a fait la grâce d'être encore sur la terre des vivants et chaque jour est un cadeau. C'est pourquoi certains disent qu'on l'appelle présent. Oui, chaque jour est un cadeau. Et toutes les fois que Papa bon Dieu fait nous grâce pour nous saluer un nouveau matin, c'est pour nos grandes grâces, c'est pour nos grandes bénédictions. Donc à vous tous qui êtes déjà là pour recevoir ce que Dieu veut donner et pour jouir de ce que Dieu fait ici et maintenant, nous prenons un grand plaisir à vous saluer dans le nom de Christ Jésus et à vous dire bon matin, oui, bon matin et bon réveil. Nous encourageons à partager maintenant le lien avec nos amis, avec nos familles. Et pendant que nous pourrons jouer cette musique-là, le matin, m'a chanté la justice. Ou à midi, moi chanté grand amour avant de dormir. Moi chanté miséricorde, ô éternel, bien pitié pour moi. Nous encourageons à partager le lien avec nos amis, partager-la avec nos familles. Et là va pour lui-même certainement une source de grâce et de riche bénédiction dans le nom de Jésus. À tous et à toutes, nous disons bon matin et bon réveil. Yes, quelle grâce. Matin, oui. Merci Seigneur, gloire à ton nom. À midi. Yes. Bon matin et bon réveil à tous nos amis, à nos super branchés. Nous saluons dans le nom de Jésus. Il nous dit, qu'est-ce que la palague, Jésus revient bientôt. Alléluia. Avant de dormir. Oh, 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 oui. C'est ça. Nous dit bon matin à toutes les amis nous, ça qui ici, ça qui Canada, ça qui Haïti, ça qui Brésil, ça qui en Suisse, ça qui en Afrique, à quelque soit, à quelques lieux ou à quelques distances qu'on trouve, ouais. Dans un moment ça, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous dire bon matin et bon réveil. Oui, on va suivre édition ça, cette édition de nos stores, cette édition de ce matin. Oui, l'édition de ce matin, nous comptons pour grâce, mon Dieu, fait nous pour nous capables ensemble. Le matin, ça, pour nous charger présence. Li. Le matin, oui. À midi. Avant de dormir. Oh, 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 oui. Mounio. C'est ça. Et nous t'apprêmé prendre temps nos matins pour nous saluer nos super branchés, pour nous dire bon matin et bon réveil à Marie Mika Gelin, pour nous capables de saluer dans le nom de Jésus-Christ. Sœur Sandra Dieu Juste, nous prend plaisir nous pour nous capables de dire bon matin et bon réveil à Sœur Rose Esther Bernadin, nous saluer Yves Rose Nelson. Et nous dit bon matin et bon réveil à Willou Blaise, Lubin Solange, Alain Jean-Pierre. Bon matin, bon réveil à Sœur Willine Lancis. Nous saluons Walness Pierre lui. Et nous dit bon matin et bon réveil à Sœur Monique Lecor. Oui, bon matin, bon réveil. Bon matin, bon réveil à Myrlène Chéri. Nous saluons dans le nom de Jésus et avec beaucoup de chaleur. Sœur Ismine Gustave nous dit bon matin et bon réveil à Sœur Juliana K. Oui, bon matin et bon réveil à Sœur Maryse Beaubrun. Nous saluons Sœur Maryse André. Bon matin, bon réveil à Sœur Maryse Romaret. Et nous dit bon matin, bon réveil à Kerline Dorméus. Bon matin, bon réveil à Myrnel Pierre, Adelin Cadet. Nous saluons Fier Max Bélanger et nous dit bon matin, bon réveil à Margaret Nemours, Merline Sinclair, Annie de Ménard. Bon matin et bon réveil à notre frère Patrick Butler, à toute sa famille. Nous saluons dans le nom de Jésus, Maman Marcus. Bon matin, bon réveil à Béatrice Hertulien. Nous saluons Marie Benita Ballon et nous dit bon matin, oui, bon matin à Sœur Luna Massius. Oh, 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 alléluia, c'est ça. Bon matin et bon réveil à Mercifully Bro. Ok, nous saluons Rose Esther. Nous dit bon matin, bon réveil à Annie de Ménard. Bon matin, bon réveil à Ketli Majus. Nous saluons Sœur Majus dans le nom de Jésus-Christ. Et nous dit bon matin et bon réveil. Oui, bon matin, bon réveil à Emanise Sinophasidor. Nous saluons Sœur Bethsaida Romé et nous dit bon matin et bon réveil. Nous saluons Lovely Pierre.
Bon matin et bon réveil à Woodline Toles, l'autre beau frontière. Nous saluer, eh bien, et Maître Sony. Oui, nous saluons Maître Sony avec toute famille. Et nous dit bon matin et bon réveil à Chassine Etienne. Nous saluer, eh bien, Margaret Nemours. Bon matin et bon réveil à Wa Alcius, à Sœur Dominique Chrysostome. Oui, nous saluons dans le nom de Jésus. Bon matin, bon réveil à Cayotte. Bon matin, bon réveil, eh bien, à Frère Dominique Cyril, à Blue Dania des Armes et à tout le monde qui a suivi l'émission ça, à quelques lieux où à recevoir ce que Dieu veut donner et ce que Dieu fait ici et maintenant. En nous dit quelques mots de prière pour nous capables de commencer dans le nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, éternel notre Père et notre Dieu, Seigneur du ciel et Maître de la terre, de faveur et grâce qu'on fait nos matins encore pour nous capables d'en présence. Merci parce que nous t'es dormi, nous t'es levé. Nous par contre, à qui ça t'est exposé pendant les veilles de la nuit. Certainement, l'ennemi a voulu nous faire du mal, mais ton bras est fort, ta droite puissante et ta main élevée. Ton bras est fort, ta droite puissante et ta main élevée. Ton bras est fort, ta droite puissante et ta main élevée. Ton bras est fort, ta droite puissante et ta main élevée. En sorte que nous sommes encore en vie, en sorte que nous sommes là et nous voulons te dire merci. Nous prions, Céleste Père, pour le pardon de nos péchés, pardon pour ce que nous avons fait de mal, pardon pour nos manquements et nos écarts. Et alors que nous sommes dans ta présence, tu nous purifieras, tu nous délivreras, tu nous sanctifieras et tu nous feras la grâce de vivre en homme et en femme sauvés pour l'éternité. Je prie en ce matin pour la force de mes frères, je prie pour la force de mes sœurs, je réclame ta bénédiction sur leur vie et je prie au notre Père bien-aimé que tu les assistes, que tu les bénisses, que tu les délivres, que tu les exauces et qu'on est capable de faire dans la vie des choses extraordinaires. Merci parce qu'au serré nous piprèo tout précaire. Merci parce que dans cette saison, tu nous appelles à rechercher ta présence. Dans cette saison, tu nous appelles à prendre les armes spirituelles pour nous défendre, pour lutter, pour avoir notre percée dans le nom de Jésus. Merci Céleste Père de ce que tu ne nous laisses pas sans défense. Alléluia. Merci Céleste Père de ce que tu ne nous laisses pas sans défense. Nous pas sans défense. Nous pas sans défense. Nous avons des armes spirituelles selon qu'il est écrit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Merci notre Père, mille fois merci pour les hommes et les femmes de Dieu que tu as placés dans nos vies. Merci pour ceux-là que tu as déjà appelés au repos et ceux-là qui vivent encore. Fais-nous la grâce, notre Père bien-aimé, de vivre dans ta présence. Fais-nous la grâce, notre Père bien-aimé, de marcher devant toi. Fais-nous la grâce d'honorer les hommes et les femmes de Dieu que tu as placés dans nos vies pour nous accompagner sur le chemin du royaume. Je prie en cet instant que tu bénisses les hommes de Dieu, que tu bénisses les femmes de Dieu, que ou capable bénis les dames missionnaires, ceux qui travaillent pour toi dans les églises locales, ceux qui travaillent pour toi ailleurs, quel que soit le lieu où ils travaillent pour toi, moi m'en dis pour capable bénis au matin, bénis leurs enfants, bénis leurs conjoints, ou va faire dans leur vie des choses extraordinaires. Non, elle va bénir et toute bouche elle va confesser en vérité, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je te loue et je te bénis, Père Céleste, pour les différents partenaires, ceux-là qui soutiennent ce ministère et ceux-là qui soutiennent d'autres ministères. Quel que soit côté à fête là, moi mandé qu'on capable toujours bénir, qu'il ne manque jamais de provision, qu'il ne manque jamais de croire, subvenir à leurs besoins, qu'ils aient et qu'ils aient en abondance dans le nom de Jésus. Je bénis le travail de leurs mains, je bénis leur grenier, je bénis leur bourse et je bénis au notre Père bien-aimé leur trésor et je réclame qu'ils capables toujours gagner en abondance pour subvenir à leurs besoins et pour continuer à financer le travail de Dieu un peu partout où tu travailles et un peu partout où tu fais ton œuvre. Père Céleste, en ces temps de la fin, nous ne voulons pas travailler avec les forces humaines car les forces humaines sont limitées. En ce temps de la fin, nous voulons dépendre totalement de la puissance du Saint-Esprit. En ces temps de la fin, nous ne voulons pas compter sur nous-mêmes, mais nous voulons compter sur Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous sommes devant toi. Voilà pourquoi ce matin nous sommes dans la prière. Parce que nous réalisons combien l'humain est limité,
oublier combien l'humain est fini. Mais quand nous avons la force de Dieu, quand nous avons le Saint-Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit est là, le travail devient puissant. Quand le Saint-Esprit est là, le travail a un impact. Quand le Saint-Esprit est là, les gens sont bénis, les gens sont guéris, les gens sont réconfortés. Ce matin, nous recherchons Dieu. Ce matin, nous te demandons, Père Céleste, d'éclater le réveil au milieu de ton peuple. Un réveil de puissance, un réveil de piété, un réveil au notre Père bien-aimé, où tes enfants reprennent goût à la parole, reprennent goût à la prière. Je réclame que l'esprit de prière soit déversé sur tes enfants. Et Seigneur, confirme la parole par des signes, des miracles et des prodiges. Confirme ce que tu fais dans ce ministère par des signes, des miracles et des prodiges. Seigneur, confirme ce que tu fais dans ce ministère par des signes, des miracles et des prodiges. Donne des témoignages, donne des révélations, donne des songes, donne des visions, donne des dons. Père très saint, fais ce que toi seul es capable de faire, ce que toi seul es capable d'accomplir. Toute bouche a dit, ça c'est l'œuvre de l'Éternel, ça c'est le bras du Tout-Puissant, ça c'est la droite du Très-Haut. Oh bien-aimé Père, je réclame ta bénédiction, je réclame ta grâce, je réclame tes faveurs, je réclame, oui, au notre Père et notre Dieu, toutes les grâces et les bénédictions et les promesses de la Bible sur nos vies. Nous voulons les vivre dans notre quotidien. Nous déclarer, c'est pour nous voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Seigneur, fais-nous voir ta bonté sur la terre des vivants. Fais-nous voir ta bonté sur la terre des vivants. Fais-nous voir ta bonté et ta puissance, ô notre Dieu, sur la terre des vivants. La vie nous en met, destinée nous en met. Aide-nous entièrement dans mes mains. Merci parce qu'on mène nous en cette fin de semaine. Merci notre Père bien-aimé parce que à nouveau, ou mène nous en cette fin de semaine. Ou va bénir en abondance. Ou va bénir en abondance. Ou va faire miracle et merveille que vous-même seul capable de faire. Non, elle va glorifier. Et toute bouche va confesser que c'est vous-même qui bon Dieu. Agis et ne tarde pas. Bénis, ô notre Dieu, bénis, bénis, bénis. Que ce peuple marche dans l'abondance, que ce peuple marche dans la puissance, que ce peuple marche dans l'autorité, que ce peuple marche, ô Dieu, dans la vie surnaturelle de Dieu. Fais-le, ô Dieu, fais-le. Fais-le, ô Dieu, fais-le. Dieu de la démesure, Dieu du superflu, Dieu de la démesure, accorde une grâce démesuré, oh God. Accorde une faveur superflue. Donne l'abondance. Donne la prospérité. Donne la postérité. Fais de nous un peuple qui marche dans la gloire, qui marche dans la puissance, qui marche dans l'abondance, qui marche dans la faveur. Fais-le, oh Dieu, fais-le. C'est la prière que nous t'adressons avec le pardon de nos péchés. Nous t'adressons cette prière. Nous te demandons la guérison des malades. Nous te demandons l'expérience même de la vie surnaturelle et abondante dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous vous rappelons, mesdames, messieurs, que vous suivez, eh bien, émission Matin avec Dieu. Oui, Matin avec Dieu, c'est un temps de communion, un temps de partage, un temps d'échange où nous sommes là dans la présence de Dieu, où nous recherchons ses bénédictions, sa grâce et sa faveur sur nos vies. Et nous croyons selon les paroles du Seigneur qui ne mentent jamais, Dieu nous saurait mentir. Bon Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez, mais c'est si vous me cherchez de tout votre cœur. N'a rappelé à partir de demain, si Dieu veut, n'a commencé 21 jours sans mis ou dans bataille, ou même qui persécuté, ou même qui oppressé, ou même qui comme le monde qui est en difficulté. Le temps est venu où tu vas prendre les armes spirituelles. Tu vas te tenir dans la présence de Dieu pendant 21 jours et tu vas demander à Dieu de te donner la délivrance et la victoire dans le nom de Jésus de Nazareth. Mes amis, nous prenons prier, pas oublier, partager lien avec nos amis, partager lien avec nos familles, et là va pour lui-même, yon source de grâce et de riche bénédiction dans le nom de Jésus de Nazareth. Préparez-vous pour la prière, nous pourrons chanter des cantiques à la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, gloire à ton nom. Merci Seigneur.
Dès le matin vers toi, Seigneur, se lève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu, le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Ô, dès le matin vers toi, Seigneur, se lève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Ou dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu, le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Oh, le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Oh, le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants durs glacés. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle prie en luttant en tout lieu. Oh, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, oh, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux.
Tout éloge l'humilie jamais, il n'est orgueilleux, cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants durs glacés, ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, oui, que jusqu'à la mort fidèle priant lui tant en tout lieu. Oh, là, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu, que jusqu'à la mort fidèle priant lui tant en tout lieu. Ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en ton cœur, ne chercher qu'à te plaire, dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait, ne chercher qu'à te plaire, dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour, et que l'esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le péril augmente-nous la foi, tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente-nous la foi, tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Oh, marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en ton cœur, ne chercher qu'à te plaire, dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait, ne chercher qu'à te plaire, dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Marcher, marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en ton cœur, ne chercher qu'à te plaire, dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait, ne chercher qu'à te plaire,
dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Oh, ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour, et que l'esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Alléluia! Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si les fardeaux augmentent, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si les fardeaux augmentent, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Amen. Oh, si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Oh, gonti cantique, nous t'apprenons à chanter avec vous pour nous finir. C'est dans mélodie joyeuse, oui, dans mélodie joyeuse. C'est ça, mélodie joyeuse, créole, numéro 11, Liban nous plus grâce, les fados nous vignes pilou. Oui, on nous chante et cantique ça pour notre force, dans le nom de Jésus de Nazareth. Liban nous plus grâce, les fados nous vignes pilou. Liban nous plus force, les travails nous pirède. Nan mitan l'affliction, épreuve y aura que danger. Nan amour Liban nous, la paix qui pidou. L'amour li sans mesure, grâce li c'est pour tout monde. Puissance li pi grand, passé connaissance nous, nan richesse infinie.
qui gagne en Jésus. Libanou, plus grâce. Libanou, plus grâce. Les fados nous vin pilou. Libanou, plus force. Les travail nous pirette. Nan mit en l'affliction. Épreuves yo ak danger. Nan amou Libanou. La paix qui pidou. Oh, l'amour li sans mesure. Grâce li. C'est pour tout le monde. Puissance li pi grand passé connaissance nous. Nan richesse infinie qui gagne en Jésus. Libanou plus grâce. Les tout amour, toute patience nous infinie. Les nous perdu toute force même avant midi. Les nous manque courage pour marcher dans route là. Laisse Dieu commencer. Ben nous puissance li. Les tout amour, toute puissance nous gué fini. Les nous perdit force même avant midi. Les nous manque courage pour marcher dans route là. Laisse Dieu commencer. Ben nous puissance li. Les amour, toute patience nous gué tant fini. Les nous perdit toute force même avant midi. Les nous manquent courage pour marcher dans route li. Les adieux commencer. Ben nous puissance li. Oh, l'amour li sans mesure. Grâce li c'est pour tout le monde. Puissance li plus grand passé connaissance nous. Nan richesse infinie qui gagne dans Jésus. Libanou plus grâce. Oh, l'amour li sans mesure. Grâce li c'est pour nous tous. Puissance li plus grand passé connaissance nous. Nan richesse infinie qui gagne dans Jésus. Libanou plus grâce. Oh, l'amour li sans mesure. Grâce li c'est pour tout le monde. Puissance li plus grand passé connaissance nous. Nan richesse infinie qui gagne en Jésus. Libanou plus grâce. Oh, l'amour li sans mesure. Grâce li c'est pour nous tous. Puissance li plus grand passé connaissance nous. Nan richesse infinie qui gagne en Jésus. Oui, Libanou plus grâce. Libanou, le Seigneur ben nous. Amen. Libanou plus grâce, oui. Libanou, le Seigneur ben nous. Libanou plus grâce. Nous bénissons Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu de la grâce. Merci parce que vous parlez à cœur nous. Oui, les bagailles au pire, c'est le ça au plus près. Oui, les montagnes au plus haut, c'est le ça dans nos forces. Alléluia. Ou bail grâce, Seigneur. Ou bail puissance, mon Dieu. Et maintenant, nous disons merci. Gagnez nous si nous vivons toujours. Gagnez nous si nous marchons toujours. Gagnez nous si nous campons toujours. En vérité, c'est l'effet de la grâce et de la bonté de Dieu. Et matin, pendant nous en présence, matin, pendant nous chercher, nous réclamer sur nos vies ta paix, ta bénédiction, ton pardon, ta puissance, tes richesses, dans le nom de Jésus de Nazareth. Matin, Seigneur, by grâce, ou by plus grâce, les fados vin pilou, ou by plus force, les travaux, les bagailles pirades, c'est laissant by force. Parole l'a dit, cantique l'a dit, c'est dans la détresse que je suis tout prêt. Ma vive tendresse ne s'endort jamais. Merci, Seigneur, parce qu'ou pas j'aime dormir, ou pas j'aime cabichard,
ou toujours campé avec nous. Et plus n'a marché dans route là, plus n'a causé avec, plus n'a parlé avec, c'est plus n'a fait expérience, c'est plus n'a connu mon Dieu, c'est plus n'a comprendre le chemin de la vie. Alléluia. Et bien matin Seigneur, mais nous venons en présence oui pour nous dire merci. Merci pour grâce ou bay matin, merci pour force ou bay matin, merci pour soutien ou bay matin, merci pour bénédiction ou bay matin. Merci notre Père bien-aimé parce que pas quitter nous seuls, ou pas quitter nous honte, ou pas quitter nous à la merci des démons. Non, en vérité non, parce que on dit dans parole où je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci de cette présence, de cette présence rassurante, de cette présence qui bénit, de cette présence qui enrichit. Merci notre Père bien-aimé, aidez-nous souplir pour nous capables dans les circonstances malencontreuses de la vie, la main de Dieu qui nous soutient, qui nous garde et qui nous traverse, eh bien les dangers. Alléluia. Merci céleste Père pour la connaissance de Jésus. Merci pour la révélation de la parole. Merci de ce que tu nous gardes dans ta présence. Seigneur, nous sommes encore des enfants. Nous avons besoin d'apprendre un peu plus. Nous avons besoin de connaître le Père. Nous avons besoin de sonder les profondeurs de Dieu. Nous avons besoin d'une communion puissante, d'une intimité avancée. Nous avons besoin, Père Céleste, de te connaître. Comme Paul l'a dit, oh, that I may know him. That I may know him. Seigneur, fais-nous entrer dans ta profondeur. Donne-nous des expériences spirituelles extraordinaires, de l'extase, des visions. Pray, my God, visite-nous comme tu as visité des hommes puissants par le passé. Tu as visité Abraham. Tu as visité Abraham, Seigneur. Tu as visité Abraham. Tu as visité Salomon. Tu as visité Salomon. Tu as l'habitude de visiter ton peuple. Je prie en cet instant, ô notre Dieu, pour des visites angéliques. Wow! Je prie en cet instant, ô notre Dieu, pour des visites surnaturelles. Je prie en cet instant, ô notre Dieu, que tu nous visites, que tu nous visites, que tu nous visites, que tu nous visites, que tu nous parles, que tu nous parles, que tu nous donnes des révélations, que tu nous fasses rentrer dans les profondeurs de Dieu, dans les profondeurs de Dieu. Céleste Père, fais que je prie que tu nous fasses la grâce pour nous capables de vivre le surnaturel divin dans nos vies. Toute bouche a confessé que nous sommes à Dieu et que Dieu est à nous. Seigneur, merci, merci, mille fois merci. Bénis-nous toutes en abondance. Et matin, viens guéris-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur du ciel et de la terre. Oui, bien-aimé, nous comptons et nous disons bon Dieu merci pour grâce-lui. Nous voulons rappeler tout le monde qu'on va suivre cette édition de Maté avec Dieu. Oui, Maté avec Dieu. Un temps côté nous passer dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà dans et en fin de semaine et nous bénissons le Dieu qui nous a assistés, qui nous a soutenus et qui nous a jusque-là bénis. Oui, ou que bénis, ou bénis, ou bénis. Ou même qui a vive moment ça dans la présence de bon Dieu, ce temps d'intimité qu'on est au son monde qui bénit dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous pral, eh bien, rentrer dans la lecture. Oui, nous pral lire rapidement. Nous sommes à chapitre, nous sommes au chapitre 8 de cet ouvrage qui a pour titre Le voyage du pèlerin. Et ce chapitre a pour titre Sommeil timide et défiant. Alors, je suivis Chrétien du regard pour découvrir ce qui lui arriverait sur son coteau. Et je remarquai qu'au lieu de courir comme auparavant, il fut obligé de ralentir le pas et ensuite de grimper sur les genoux et sur les mains à cause de la rudesse de la montée qui était fort escarpée. Il y avait vers le milieu de la colline une cabane agréable que le Seigneur du ciel y avait fait mettre pour procurer quelque repos aux voyageurs. Ah, bien-aimé, ça a belle, lui, bon, faut se camper là. Maintenant, et la route devient beaucoup plus difficile, il y a un chemin escarpé et contrairement à une démarche rapide, Chrétien est obligé de ralentir ses pas. Il maintenant marche sur les genoux et sur les mains parce que la route est rude, la montée est difficile et fort escarpée. Il y a des temps dans la vie du chrétien. Tenez bien, il y a des temps dans la vie de tout homme de Dieu. Il y a des temps dans la vie de tout homme de Dieu. Il y a des temps dans la vie de toute femme de Dieu. Des moments difficiles. Côté que tu ne vas pas aussi rapidement que tu le
que tu l'avais souhaité. Ou pas marcher, Jean t'a souhaité. Maintenant, tu es à quatre pattes. Tu vis dans la crainte. Tu vis des temps difficiles parce que la route là difficile, route là terrible. Et Jean t'a qu'on habitué à marcher. Donc, ou obligé ralentir parce que situation miel, bagala macaron. Donc, ou obligé adopter une autre attitude pour capable avancer. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur a pris soin de dire que le Seigneur avait préparé une cabane. On t'y tente, on t'y côté pour monde qui pour voyageur qui fatigué capable pour t'y repos. Chrétien y rentra et s'assit pour s'y reposer un moment pour se fortifier contre son abattement. Il tira son mémoire de son sein et se mit à considérer de nouveau les habits dont il avait été revêtu près de la croix, le pardon de ses péchés et l'imputation qui lui était faite des mérites de Jésus-Christ. L'une et l'autre de ces choses lui donnèrent une véritable joie qui dura assez longtemps. Des fois, bien aimé, c'est ça où il est, ou bah tête ou force. La Bible a dit David, en anglais dit David strengthened himself in the Lord. David trouva courage dans le Seigneur. Gè kote ou a privé nan route là. Ou pa bon moun pour encourager ou. Mais ou a besoin rentrer dans le tiroir de ta mémoire, dans le tiroir de tes pensées. Et ou a besoin râler des expériences que tu as faites avec Dieu. Des temps de visite spirituelle. Des temps de grâce. Des temps de bénédiction. Ou a besoin tourner dans l'enfance, dans le royaume d'enfance. Ou a besoin tourner, eh bien, dans le royaume de la jeunesse. Ou a besoin tourner dans ces temps où Dieu t'a parlé, dans le silence de ton cœur, dans la solitude de la nuit. Où Dieu t'avait donné des révélations et des visions, ou obligé de tourner dans ces temps-là, et plutôt pour songer, qui ça, mon Dieu, t'es dîme, qui promesse, mon Dieu, t'es femme, qui prophétie que t'es sur la vie, et puis tu reprends courage dans ton Dieu, tu reprends courage, t'appuyant sur le fait que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. T'appuyant sur le fait que Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit un mot, il t'a donné sa parole. Alléluia. Donc, dans le moment, joue pas le veille. Dans le moment, soleil, limé, net, yo, et le soleil devient feu sur ta tête. Dans le moment, regardez où le soleil devient feu sur ta tête et le sable chaud sous tes pas. Ou a besoin rentrer dans cette dimension. Ou a besoin rentrer dans ta mémoire. Et où est la main de Dieu qui t'a jusque-là soutenu, qui t'a jusque-là gardé, qui t'a jusque-là protégé, qui t'a jusque-là aidé, qui t'a jusque-là assisté. Et on dit, Seigneur, je sais que tu es vivant, je sais que tu es là, je sais que tu es puissant, je sais que tu es capable de m'aider. M'gade, moi rad metea, c'est rad justice, mon Dieu, c'est rad Jésus-Christ. Et puis tu marches dans la foi et dans la puissance, au nom de Jésus de Nazareth. Enfin, il tomba insensiblement dans l'assoupissement, et ensuite, dans un profond sommeil, ce qui fut cause qu'il s'arrêta dans cet endroit presque jusqu'à la nuit, et que son mémoire lui tomba des mains. Dans le plus fort de son sommeil, il vit quelqu'un qui le poussa rudement et le réveilla en lui criant, « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. » À cette voix, il se leva en sursaut et se mit à doubler le pas pour gagner du chemin, jusqu'à ce qu'enfin il parvint au sommet de la colline où il rencontra deux hommes qui couraient droit vers lui. L'un se nommait Timide et l'autre Défiant. Bien-aimé, et yon n'a pas besoin d'éviter dans des temps de repos. Certainement, tu dois te reposer quand et le besoin s'installe. Mais yon n'a pas qui est intéressant pour vous. Ou a besoin qu'on ait que sous reposer, pas reposer trop longtemps. Parce que l'ennemi a une façon de te mettre dans une situation où tu te sens à l'aise, tu ne veux plus avancer. Non, nous sommes pèlerins sur la terre. Nous avons une destinée. Nous faisons une route et nous devons arriver. Le but est devant nous et nous n'allons pas rester là où nous sommes, aussi confortable que soit l'endroit. Et puis, pendant deux mois, ça va passer côté. Comment, messieurs, leur cria-t-il, d'où vient que vous reboussiez ainsi chemin?
Timide répondit qu'il s'était mis en chemin pour la cité de Sion et que dans ce dessein, il avait tenté d'escalader ce coteau. Mais, ajouta-t-il, comme à mesure que nous avancions, nous rencontrions de nouveaux périls, nous avons pris le parti de rebousser chemin. Ah, c'est vrai, dit Défiant. Tout à l'heure même, nous avons trouvé deux lions devant nous. Nous ne savions s'ils dormaient ou non, mais il est sûr que s'ils nous avaient assaillis, nous n'avions autre chose à attendre que d'en être dévoré. Vous m'épouvantez, leur dit alors Chrétien, mais où fuirai-je pour être en sûreté? Faut-il que je rebrousse chemin et que je retourne dans mon pays? Mais si je retourne, ma perte est assurée, car que puis-je attendre que la mort dans un lieu qui doit être consumé par le feu du ciel, au lieu que je suis, au lieu que si je puis une fois parvenir à la cité céleste, j'y serai en pleine sûreté et j'y jouirai d'une vie éternelle. C'est pourquoi je suis résolu à poursuivre mon chemin. En disant cela, il commença à marcher courageusement, mais timide et défiant, descendir la colline en courant. Bien-aimé, c'est pas tout le monde qui commence route là qui a fini, malheureusement. C'est pas tout le monde qui commence route là qui a fini. Voilà pourquoi dans ta prière, yon nan bagay ou dwe mande bon Dieu, ou dwe mande bon Dieu persévérance. Yon nan bagay ou dwe chercher dans tes moments de prière, c'est demander à Dieu la persévérance. C'est pas tout le monde qui commence out là qui a fini. Gen moun qui a timide, gen moun qui a peur, gen moun qui a défiant, et en fonction des difficultés, en fait, croissantes de la route, gen qui a tombé. Pas comprendre que plus tu avances, c'est plus que route la facile. Non, plus tu avances, c'est plus la route devient difficile. Plus tu commences à prendre au sérieux la vie spirituelle, plus tu commences à chercher Dieu, c'est plus l'ennemi va redoubler de courage. Et c'est ça que fait le Seigneur inspire l'auteur du cantique qui dit « Redouble de courage s'il redouble d'efforts. Redouble de courage s'il redouble d'efforts. » Donc si l'ennemi redouble d'efforts, toi tu redoubles de courage. Si l'ennemi t'attaque, toi tu attaques un peu plus. Tu attaques comme un pasteur. Tu attaques dans la prière. Tu attaques comme un pasteur. Tu attaques dans le jeûne. Tu restes dans la présence de Dieu. Tu pries 3 fois. Tu pries 6 fois. Tu pries 9 fois. Tu pries 12 fois. Tu pries sans cesse jusqu'à ce que le Seigneur intervienne et te donne la force nécessaire, la force adéquate pour combattre l'ennemi et pour surmonter toute attaque satanique et démoniaque dans le nom de Jésus. Cela est possible, mon frère. Et ça que fait le Seigneur, voyez, parole, encouragement, ça y est pour dire. Parce que dans route là, il y a des lions. Dans route là, il y a des ours. Dans route là, il y a des méchants. Dans route là, il y a des malveillants. Et nous avons sur la route des satans, des agents de Satan, des agents que Satan envoie pour te décourager, pour te faire peur. Oh Dieu, délivre-nous des agents de Satan. Et ces agents de Satan sont parfois déguisés en hommes et en femmes de Dieu. Frères et sœurs, pendant ma fini, pendant nous prions, prier, n'oubliez pas, je vous en prie, n'oubliez pas, je vous en supplie, l'expérience du jeune prophète. Ne l'oubliez jamais. Je vous en supplie, n'oubliez pas l'expérience du jeune prophète. Plein de vie, plein de force, plein d'onction, plein de puissance, plein de présence de Dieu. Il avait reçu la parole de Dieu. Dieu lui avait parlé. Dieu avait agi par sa main. La main du roi qui s'était tendue pour le faire du mal était devenue sèche. Il y avait ce jour-là dans le pays, une manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. L'autel se fendit et tout le monde a vu la puissance de Dieu. Dieu était avec lui. Dieu l'accompagnait. Dieu le soutenait. Dieu le dirigeait. Oh, malheureusement, si seulement il avait gardé la parole de Dieu. Mais quand le faux prophète est venu, plutôt le vieux prophète, celui qui avait été probablement utilisé par Dieu à un moment de sa vie, et voyant l'élan de ce jeune prophète, entendant l'élan du jeune prophète, il fut pris de jalousie et le séduit. Oh God. L'idylle, bon ange bon Dieu qui parlait avec moi. Je suis prophète comme toi-même. Et mon ange, mon Dieu, qui parlait avec moi, qui dit pour me dire où te mettre tourner, où te mettre
fait out là ou te mettre vin la caille moins manger alors que Dieu te dit koto rentré à pas sorti là pas manger ni boire dans ville là le faux prophète l'a séduit. Que Dieu nous préserve de la séduction des hommes de Dieu. Que Dieu nous préserve de la séduction des soi-disant femmes de Dieu. Que Dieu nous préserve de la séduction des vieux prophètes. Eux qui ont gaspillé leur grâce. Eux qui ont négligé l'appel sur leur vie. Eux qui n'ont pas saisi avec appréciation et honneur l'appel que Dieu leur avait lancé. L'onction que Dieu leur avait donnée. Maintenant, ils te voient prier. Ils te voient chercher Dieu. Ils voient la puissance de Dieu t'accompagner. Ils voient la faveur de Dieu qui est sur ta vie. Et ils sont là comme des instruments de Satan pour parler au nom de Dieu, mais ils sont dans le mensonge. Elles sont dans le mensonge. Elles sont dans la séduction. Elles sont dans la honte. Elles sont dans la désobéissance. Que Dieu nous préserve ce matin de la séduction des soi-disant hommes de Dieu. Que Dieu nous préserve ce matin de la séduction des vieux prophètes, de vieilles prophétesses, des gens dont l'huile sont asséchées. Ma paraya ya nous prier dit Seigneur préservez-moi vont texcounia nous vont texcounia fait chat la chaud dit Seigneur préservez-moi dit Seigneur préservez-moi pas qui t'aime prend non séduction pas qui t'aime prend non séduction non homme de Dieu qui a parlé au nom de Dieu mais qui a bail mensonge qui a dit des mensonges Seigneur pas qui t'aime prend non séduction la femme a été séduite laisse des hommes de Dieu ont été séduits. Des femmes de Dieu ont été séduites à travers les âges. Nous, voyons, l'un après l'autre, séduits au nom de Dieu. Et la parole de Dieu déclare, oh l'ennemi, cela n'est pas étonnant parce que Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Et puis tout font texte, son prière, il dit Seigneur, sauvez-moi, préservez-moi, c'est ça. Dit Seigneur, préservez-moi. Pas qui t'aime séduit, Seigneur. Préservez-moi. Bon comprendre. Bon discernement. Préservez-moi. Bon discernement. Pour me carouer. Bon discernement. Pour me comprendre. C'est ta prière ce matin. C'est peut-être ça. Jésus te dit nous. L'Éna va prier. Et n'a va dire. Préserve-nous du malin. Préserve-nous du malin. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. De ses astuces. De ses séductions. De ses astuces, de ses séductions, de ses ruses, l'Éternel. Matin, nous venons en présence où, dans le nom de Jésus pour demander pour capable préserver nous Seigneur de monde qui a découragé, préserver nous Seigneur de ce personnage appelé timide, de ce personnage appelé défiant, préserver nous Seigneur et bien du vieux prophète, du prophète qui a abandonné le Seigneur, du prophète qui ne recevait plus les révélations de Dieu. Seigneur, nous venons côté matin pour dans le nom de Jésus, préserve-nous de la séduction, préserve-nous Seigneur, pas qu'il t'est naïf dans l'évangile, pas qu'il t'est un petit monde dans l'évangile, mais ouvert chez nous bon Dieu, pour nous capable comprendre, ouvert chez nous le Seigneur, pour nous capable ouvrir, ouvert chez nous grand bon Dieu, pour nous capable rester accroché à la parole de la révélation, à la parole que nous avons reçue, à la parole qui nous a été donnée, matin l'Éternel. Hello, m'a brûlé en moué parce que dans le temps de la fin ça c'est pas des séductions qui pourraient gagner dans le temps de la fin ça c'est pas des mondes qui pourraient séduire c'est pas des mondes qui pourraient garer c'est pas des mondes qui pourraient perdre route yo c'est pas des mondes qui pourraient sans direction c'est pas bon Dieu matin alléluia nous venons côté pour demander pour capable bon le don de discernement pour capable discerner pour capable connaître bien et mal pour capable connait
laissez bon Dieu cap parler, laissez ennemi en cap parler, en mourir. C'est pas des jeunes garçons qui séduit, c'est pas des jeunes filles qui séduit, c'est pas des ni toi, ennemi en bas menti, li râle en péché, li râle en impureté, li vale gracio, li vale onction yo, li vale bénédiction yo. Matin bon Dieu, ou mettez sous que nous pour nous capable mander cette grâce pour capable préserver nous du malin, préserve nous du malin et de ses suppôts et de ses agents et de ses adeptes et de ses travailleurs et de ses employeurs. Mater l'éternel, nous vin côté les omettez pour mouton souyo et tous ces louyoyés nous mander pour bon jeu pour nous l'éternel, bon jeu pour nous. Faire au fond bagaille qui pour avilio, faire au fond bagaille qui pour dévoiler, faire au fond bagaille qui pour révéler, faire au Dieu parole pour nous capables de rendre nous compte que nous avons affaire à un agent de Satan, que nous sommes en présence d'un agent du diable, pour que nous pas bailler tête nous, pour que nous pas aller, pour que nous pas tête nous à la boucherie. L'éternel, Matthieu, sauvez peuple de la séduction, sauvez-o de la séduction. Sauvez-moi de la séduction. Sauvez-moi, Seigneur, de la séduction. Sauvez-moi, Seigneur, de la séduction. Préservez-moi, Seigneur. Préservez caille-moi. Préservez famille-moi. Préservez ministère-moi. Dans le nom de Jésus. Nous levons petit tout dans mon Seigneur pendant l'air pas avancé. Alléluia. Pendant l'air pas avancé, nous levons devant le Seigneur. Ça qui prend le travail matin, ça qui a fêté l'anniversaire, nous l'avons dans mon matin, Seigneur. Oui, matin, nous prions pour Sœur Sandra Jean qui a fêté son anniversaire. Nous réclamons ta bénédiction, ta paix, ta grâce sur sa vie. Et nous demandons pour capable assister le grand bon Dieu. Nous prions matin le Seigneur. Lagué devant le Dieu Tout-Puissant, et bien Margaret Jean et famille, Walby, Jonathan et Joshua. Nous lagué devant le Dieu Tout-Puissant, Henri Séloge. Nous fait SOS ce matin pour Claire Clinton, Sivilia Théodore. Nous prions matin pour la famille Alvarez, famille Jeffra, famille Jean et famille Mathieu. Nous levons devant le Dieu de gloire, Naomi Saint-Il et famille. Nous prions matin pour Belana Nicole Cab. Nous prions pour Losenska Luisin, Lovely. Nous prions matin, Céleste Père, pour Jefferson Jean, Castnel Luisin, John Luisin. Nous levons devant le Dieu de gloire, famille Philippe, Anna Evans Philippe, dans mon Seigneur. Nous demandons pour capable assister. Nous prions pour Tyler, Tyra, Désiré, Devon et Déborah. Nous prions matin dans le nom de Jésus-Christ pour Carline Daske. Nous prions et nous faisons 911 pour Sabi. Nous levons devant le Dieu de gloire et nous faisons 911 pour Emmanuel Félix, François Félix, Elisabeth Parison, Webster Parison, Jean-Raymond Sorel, Patrick Beaufort. Nous prions matin pour la délivrance de Pascal Beaufort, Ricaël Beaufort, Martine Vaval, Marcus, Solange Clairefort. Nous levons devant le Dieu de gloire. Nous faisons SOS 911 matin pour Jasmine Sorel, Georgina, Diana et famille. Tevna Samurai. Nous prions maintenant pour Lourdes, Gina et Marjorie Etienne, Meg Etienne. Nous levons devant le Dieu de gloire. Nous faisons 911 SOS pour famille Prévalus, Résilia, Jeannette Georges, Adassa Aïna, Annelie Adeline et Marie Prévalus. Nous prions maintenant pour Sœur Amélie Honoré. Nous levons devant le Seigneur, Sœur Honoré. Nous demandons pour capable bénir Sœur Honoré, Seigneur. Rassasiez-les, bénis-les bien. Béni. Nous levons devant le Dieu de gloire, Sœur Willy Narcisse. Nous mettons que grâce ou capable d'assister. Nous prions matin. Alléluia. Nous faisons 911 pour Nadeja. Nous relevons devant le Dieu de gloire. Naomi Moïse, Mémé et Saïd Mémé. Nous faisons 911 pour Duny Pierre et famille. Jacques Charles et famille. Rifa Nicolas et famille. Nous prions dans le moment ça pour Kerline Adrien. Nous la gué Kerline Adrien dans mon Seigneur. Que dans grâce ou capable de visiter, le délivrer, le sauver, le racheter. Par
ton bras fort et puissant. Nous dit bon Dieu merci, nous prier matin et nous tout merci pour mon qui a fêté anniversaire yo. Nous lever dans mes bon Dieu Al Étienne, Luna ma sainte. Nous tout merci pour Patrick avec madame ni Marjorie qui a fêté 31 ans de mariage. Merci parce qu'au kembe au jusque là et merci parce que au fait plan pour aller plus loin avec vous toujours. L'Éternel ou nous laguer chaque petit ou yo qui en bas lave là dans mes ça cap reler, ça cap invoquer, ça cap demander, ça cap supplier. Nous laguer devant bon Dieu Sandy Exalus, Michel Tengue, nous laguer toute famille en main, Woldy Octavien, famille Massius, famille Marie Clervis, Marie Terville, nous laguer toute famille Sinaïa dans mon Seigneur, les petits et les grands, même les nourrissons à la mamelle. Garde-nous en ta paix, en ta grâce, garantis-nous une bonne journée, préserve-nous du danger, garde-nous de la tentation, préserve-nous de la honte, de l'orgueil et de l'opprobre. Fais-nous du bien, ô notre Père bien-aimé, car tu es notre espérance. Reste avec nous, bénis-nous, aie pitié de nous, sauve ton peuple tendre, sous même page-là, avec même serviteur bon Dieu, dans même combat et route-là, nous laguer dans deux plamés, papa bon Dieu, et nous dire, bon Dieu, remets-nous, nous remets-nous tout. Bye-bye.